Salut à tous les gars, c'est Babar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va... Donc vous voyez en haut à droite, hein, j'ai quasiment 3 millions. Donc on va aller acheter tout de suite, sans plus attendre, un nouveau véhicule. Donc celui que j'avais prévu d'acheter en premier, parce que j'avais prévu entre guillemets de tous me les acheter les nouveaux. Mais on va commencer par celui-ci, donc la prochaine Tyrus. Donc il nous propose deux modèles, celui-ci ou celui-ci, oh, je sais pas trop. Je pense que je vais partir sur... Ah je sais pas. Hein. Peut-être partir sur celui-là de base. Ouais, allez, on va prendre celui-là. Donc c'est parti, commander. Voilà, donc il nous reste 380 000 dollars. On va aller tout de suite le customiser. Donc c'est parti. On va se rendre à l'appartement où il a spawn. Enfin, où il va spawn, parce que normalement il est pas, il apparaît pas tout de suite, tout de suite. On va le récupérer. On va aller... à Los Santos Custom et puis on va tester tout ça quoi, on va l'améliorer, on va rouler un petit peu en ville, puis après on le testera dans une course, voir ce qu'il donne, ce que ça dit. J'espère que j'aurai assez, normalement c'est bon. Donc je me suis mis dans une session solo juste pour être tranquille en fait, le temps de vous faire les petites vidéos. Je me suis un peu raté là, j'ai sauté un peu de loin, c'est pas bien grave. Allez, c'est parti, on va aller voir s'il est arrivé. Donc pour ceux qui l'auraient déjà le véhicule là, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je le trouvais plutôt pas mal, c'est pour ça que je l'ai pris, et puis en plus c'était le plus cher, donc bah, j'ai pour habitude en fait, ah bah il a pas spawn, j'ai pour habitude, ah, ok super, j'ai pour habitude de, quand j'achète les véhicules comme ça, de prendre le plus cher en premier pour être tranquille après au niveau des sommes d'argent économisées, quoi, ça diminue à chaque fois. Ok, donc le véhicule est plutôt pas mal. Moi il me plaît bien son look, ça va. On va voir déjà comme ça comment... Bon en plus là il pleut mais bon. Je pense qu'il patine un peu, c'est peut-être pas non plus l'idéal. Alors il y aura, je pense, plus tard les vidéos de test de comment s'appelle de vitesse, où on comparera donc ce véhicule avec la 811 qui est pour ma part et pour l'instant je pense encore le véhicule le plus rapide. Donc on fera les essais sur l'aéroport comme je fais à chaque fois pour voir s'il y a plus rapide ou non que la 811. Mais en tout cas il patine, ouais, et ça c'est pas mal, parce que j'aime bien les véhicules qui patinent comme ça, mais dans un sens c'est pas top parce que du coup on perd un peu de temps à l'accélération. Mais bon, allez hop, ça tout à fond, hop, y a pas le temps de niaiser là-dessus. Les pots d'échappement, ouais,
Je vais mettre celui-là, je le trouve plus stylé. Explosif, non, le klaxon, vous me connaissez maintenant, c'est toujours le lui. Le clown. Hop, les néons. Pour la couleur des néons, quelle couleur on va la mettre? Je pense que bah déjà on va pas changer de motif, on va laisser celui-là. Donc on va mettre le néon de crew, je pense. Voilà. Motif, ouais, on va pas changer parce qu'en plus ça coûte une blinde, mais c'est vrai qu'il était pas mal aussi en blanc comme ça. Hein. Et sans, ouais, sans c'est tout de suite autre chose quoi. Donc on va laisser ça, la plaque, on met tout de suite la dernière, la couleur. Ah, c'est dégueulasse. Noir mat. Pour la couleur, je sais pas, franchement, je suis assez partagé. Bleu ultra, on va laisser bleu ultra. On va se mettre du nacré. Nacré blanc. Nacré violet, c'est pas mal aussi. Sinon. Nacré jaune. Non. Jaune racing, ouais, ça, c'est pas mal comme ça. L'aileron, oh lolo. L'aileron, je pense qu'on va laisser soit celui-là. Celui-là, c'est sûr que non, je le trouve dégueulasse. J'hésite entre lui de base. Oh, parce que lui de base, il est bien. Et celui-là. Je sais pas du tout là. Je vais laisser celui de base pour l'instant. Les suspensions au max. J'ai bien mis au max, ouais, c'est bon. Transmission et turbo. Les roues. On va partir sur du roue haut de gamme. On va partir sur ces jantes là. Hop, la couleur, bah on peut pas changer du coup vu que j'ai mis chrome. Ça, les pneus pare-balles, la fumée, on va mettre crew. Il me reste 36 000. 31 000. Et du coup, l'aileron, est-ce qu'on va le. Non, on va le laisser bleu. Ouais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Le nouveau véhicule, plutôt pas mal, hein. Je suis assez content. Le gris me dérange un peu en fait, j'aurais bien aimé pouvoir changer ça, mais bon, c'est pas bien grave. La couleur me plaît quand même, enfin le bleu en tout cas, le orange aussi ça va, ça ressort plutôt bien. Ensuite, l'aileron, franchement, j'ai bien fait, je pense, de le laisser comme ça parce que l'autre, il était noir et je sais pas, ça se serait pas sorti bien en véhicule. Et puis, même la forme me plaisait, mais sans plus. En fait, si j'aurais pu mettre l'autre aileron, mais en bleu, je pense que je l'aurais fait.
Mais là c'est bon, là ça me botte. Je m'aperçois que le véhicule, il est agréable à conduire, franchement. C'est parfait, ça. Je ne regrette pas mon achat pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, je vais me dire, ah ouais, si j'avais su, je l'aurais pas acheté. Mais là, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Sur route mouillée, en plus, on attaque direct avec le lourd. Non, c'est cool, franchement. Je suis content. Voilà, donc nous, bah, du coup, la vidéo, on va s'arrêter là, hein. Ce sera tout pour la vidéo. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais montrer l'achat et la customisation du véhicule. C'est chose faite. Donc nous, bah, on va se laisser là-dessus. Donc dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Bah, dites-le moi. Si la voiture vous plaît. Oh, les portières, j'avais pas fait gaffe. Pas mal. Dites-moi ce que vous pensez de ma voiture et de la voiture en général. Si vous l'avez, si vous l'avez pas mais que vous la voulez. Enfin, dites-moi un petit peu tout ça. Pensez à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on va se quitter sur cette mort désastreuse. Et puis, ben, on se retrouve pour la suite de nos aventures. Ciao, bye!